Ma PS3, cette PS3 est en pièces, est en pièces, mais les pièces vont en état. Comme ça, c'est l'alimentation, alimentation. Des PS3 FAT avec lecteur de cartes, cartes, compact flash, SD aussi. Là, c'est le lecteur de cartes, le lecteur de cartes, vous voyez bien. Compact flash, SD, et une autre forme de carte, c'est d'un bon état, vous voyez bien avec sa nappe, la petite nappe qui va bien pour manger sur la carte mail. La vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la la la. Ça, c'est le lecteur Blu-ray. Y a peut-être une surprise du chef dedans. Je sais pas. C'est un lecteur Blu-ray. Et qui doit bien fonctionner. Voilà. Y a maintenant la carte mère. Vous voyez avec son gros ventilateur. C'est une carte mère où le processeur est GPU à un îlot, c'est-à-dire surchauffe du processeur principal et graphique. C'est un îlot. Hilo, 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 c'est un bon état. Mais tout ça, c'est pour pièces, et je le garde pas. Mais j'ai déjà une PS3 en bon état. Ça, je l'avais acheté sur Brocante. Et en fait, ça marche pas. PS3 FAT pour pièces. La coque et disque dur, ben je l'ai pas. Où je le garde pour moi? T'as un bon état. C'est un modèle FAT. De PS3, PlayStation 3, qui doit lire les jeux PS2, PS1, et bien sûr PS3. Et voilà pour ma petite vidéo. Avant que tout ça, à vivre quelque part là-bas. Ma PS3, pour PS, et voilà. Fini ma petite chanson de la PS3 FAT pour pièces. Moi j'aime bien regarder dans une console comment c'est fait, c'est sympa. Oh yeah.